Alors que la Calédonie attend ses anciens combattants, le retour ne se passe pas comme prévu en raison des grèves au port de Marseille, mais surtout faute de navires. Il faut attendre le 10 mai 1919 pour que le navire El Cantara embarque les premiers soldats calédoniens du bataillon. Le jour même, le bataillon mixte du Pacifique est dissous. Après plus de 8 semaines de mer, l'El Cantara touche Nouméa et dans une foule en liesse, les soldats sont fêtés à Nouméa par un arc de triomphe et des chars. Mais la plupart des tirailleurs kanaks ne sont pas du voyage. Ceux qui ont débarqué sont reconduits très vite dans leur tribu sans cérémonie officielle. Le procès en cours des indigènes révoltés maintient un climat de suspicion. En revanche, les 600 tirailleurs kanaks restés en métropole doivent patienter. Ils seront parmi les derniers indigènes à rentrer en compagnie des Fidjiens et des Tahitiens. Akoma Néron témoigne de son incompréhension. J'écrivais donc une lettre à Monsieur Laplagne, lieutenant et délégué des soldats calédoniens, à leur foyer à Paris. Au mois d'avril, il m'a répondu en disant qu'il l'a signifié au ministre, mais qu'il n'y a pas de bateau. Mais les Africains, les Malgaches, les Annamites étaient rapatriés. Je pense donc qu'il est bon que j'aille à Paris. Le 2 juillet 1919, arrivé au comité de Paris 102 boulevard Arago, je suis donc allé voir Monsieur Laplagne et il a parlé au ministre. Ils cherchaient en Angleterre, alors ils ont répondu qu'il y a un bateau, il arrivera au Havre le 12 septembre 1919, pour embarquer les soldats fidjiens et les soldats de l'Océanie. Le navire anglais s'appelle Kiaora. À la nouvelle du retour, apportée par Akoma Néron, la joie envahit les soldats. Au camp est donné un pilou de fête avec les Tahitiens et les Fidjiens. Au-delà de la guerre, les troupes coloniales et les Calédoniens en particulier ont découvert un univers bien différent de ce qu'ils imaginaient. Pour les indigènes, si la rigueur du climat les a frappés, voire meurtris, 76% des morts kanaks sont décédés de maladies sur la Côte d'Azur, c'est bien la différence avec le système colonial qui les marque le plus. L'absence de ségrégation ethnique en métropole leur ouvre l'accès à tous les commerces, aux cafés et débits de boissons, ou même à la possibilité de circuler librement en ville, le soir. Malgré l'obligation de rentrer, certains chercheront à ne pas revenir. Un tirailleur de l'Ifou saute du navire dans le port de Marseille au moment où celui-ci ne peut s'arrêter. Il finira sa vie comme bedeau près de Briançon. Un autre tirailleur de Wailou déserte à l'escale de San Francisco pour faire sa vie aux États-Unis. Finalement, en mai 1920, le navire El Cantara rapatrie la plupart des soldats et tirailleurs qui n'avaient pas pu partir l'année précédente. S'achève alors le premier chapitre de l'histoire du bataillon mixte du Pacifique et de ses hommes laissant parmi ses champs immenses et éphémères ses propres croix de bois.